chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des diamants que j'ai reçus pour un projet. Alors, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, vous savez que j'ai commandé un Heaven and Earth Designs il y a à peu près... il y a quelques mois de ça. Alors l'image, c'était celle-là. Je vous mettrai en haut à droite de l'écran le lien pour voir le unboxing. Ça, c'est l'image. Avec Heaven and Earth Designs, quand ils envoient les diamond paintings, ça vient sans les diamants. Donc en fait, vous recevez la toile avec les symboles qui sont imprimés et la colle dessus. Mais c'est ça, ça ne vient pas avec les diamants, il faut les commander séparément. J'ai un autre Heaven and Earth Designs aussi que j'avais acheté pour lesquels je vais travailler à partir de mes diamants qu'il me reste de projet. Mais pour celle-là, je me suis dit non, je ne vais pas en avoir assez. Parce que cette image, c'est du 114 par 154. Elle est immense, c'est un monstre. Et je me suis dit, je vais les commander sur AliExpress. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la fiche que Michel, la propriétaire, m'a donnée avec tous les DMC et le nombre de diamants à placer par DMC. J'ai tout mis dans un fichier Excel pour calculer le nombre de sacs. Normalement, par sac, ils mettent à peu près 200 diamants. Et j'ai contacté le vendeur Hankins, Hankins Official Store, sur AliExpress. Je vous mettrai le lien du vendeur et du poste aussi, où ils vendent les diamants. Si jamais vous êtes intéressé d'en acheter pour n'importe quel projet que vous faites, que ce soit sur une toile vierge, pour un Heaven and Earth Designs, n'importe quoi. Alors, le paquet est immense. Je vais vous mettre une photo maintenant à l'écran de la taille du paquet comparée à Luna. Vous savez que Luna, c'est un grand chien quand même. Là, je veux dire, elle n'est pas petite. Vous avez vu la taille qu'il fait, parce que je pense que sur la table, vous ne vous rendiez pas compte de la taille du paquet. Mais il est immense. Au début, quand je l'ai reçu, je pensais que c'était une de ces boîtes de rangement. Mais je me suis dit, mais pourtant, j'attends pas de boîte de rangement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est immense. Et après, en regardant le numéro de repérage, bah, c'est là que je me suis rendu compte que c'était les diamants pour ce projet. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas, vu la taille de la toile. Alors, on va l'ouvrir et on va regarder comment ça se présente, comment est la qualité. Je vais vous donner un peu mon retour, vous dire qu'est-ce que j'en pense. Oh waouh, c'est vraiment bien emballé. Alors, je voulais vous le montrer comme ça pour vous montrer comment c'est emballé. Mais là, comme je le dis, c'est pour une toile immense. Pour les toiles plus petites, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça aurait été emballé. Alors attendez, parce que là, je pense qu'il me faut des ciseaux pour couper ce côté. Je pense que ça va être plus facile. Ouais, plus facile avec des ciseaux. Il est un peu dégueulasse ce paquet. Après, il va falloir que je nettoie et que je désinfecte la table. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez, on a ce papier bulle qui protège tous les diamants. On voit les diamants là avec la lumière. Pourtant, je filme de jour là, mais on va voir comment on va faire ça. Alors, je vais enlever ce papier noir. Mon Dieu, c'est lourd. Alors, papier noir. Je pense que je vais aller le mettre à la poubelle de suite, me laver les mains et... je reviens. Alors, je vais l'ouvrir sur le côté, juste là, et voir. Comment est-ce que je vais faire ça? Je pense que je vais juste le couper comme ça, parce que je sais vraiment pas comment je vais les garder, ces diamants. Je sais vraiment pas dans quoi je vais les mettre. Peut-être que je vais les mettre dans des sacs refermables, plusieurs sachets refermables. Je sais pas, parce que j'avoue qu'il y en a une tonne. Voilà, on y est. Alors, comme vous voyez là, l'emballage est nickel. Il est nickel. Là, vous voyez un peu la lumière, là. Il est nickel, hein. Ils ont mis ce papier bulle, ils ont mis ça sur les côtés pour protéger les diamants. Mais alors, la quantité de diamants, est-ce que vous êtes en train d'halluciner? Parce que moi, je le suis. Regardez ça. Oh, putain. Faudrait que je le pèse. Faudrait que je le pèse, le truc.
Ma balance, elle est trop petite pour le peser. Allez, on va bouger ça et on va regarder ça. Alors, ça, c'est venu dans un grand sac plastique. Excusez-moi pour le bruit. Alors, étant donné que la grille du Heaven and Earth Designs sur la toile est en carré, il fallait que je prenne des diamants carrés. Mais en fait, je pense que je vais les laisser là-dedans. Hein, parce que cet emballage, il est nickel pour ça. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma liste de DMC pour vous montrer de quoi je parle. Donc, je reviens. Alors, la fiche que j'ai reçue pour ce projet, c'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, si la caméra veut faire la mise au point. Voilà. On a les couleurs ou les codes DMC juste là, qui sont numérotés. Le 1 n'existe pas en Diamond Painting, mais son équivalent, c'est le DMC 762. Donc, j'ai commandé du 762 pour ça. Et là, le faux, ça vous dit, il vous faut 797 diamants pour cette toile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur Excel, j'ai mis ce chiffre et j'ai divisé ce chiffre par 200. Parce que dans un sac comme ça, il y a à peu près 200 diamants. Vous voyez, ce sont des ribambelles. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Vous voyez, ce sont des ribambelles. Il y a à peu près 200 diamants dans un sac. Donc, c'est pour ça que j'ai divisé ce chiffre par 200, qui est juste là, pour savoir combien de sachets. Et j'ai rajouté un sachet à chaque fois. Parce que je me suis dit, là, je veux pas être... je veux en avoir assez. Normalement, quand vous faites des diamond painting, les compagnies vous envoient à peu près 20% de plus au niveau des diamants. 20 à 30%. Donc, à chaque fois, j'ai fait plus 1, plus un sac. Ça, divisé par 200, plus 1. Donc, j'ai fait ça pour les DMC. J'ai fait ça dans un fichier Excel à la main. Ça m'a pris une demi-heure à faire. Donc, vous voyez, j'ai 3 pages au total. Là, là et là. Et ça, ce sont des étiquettes qui vont m'être utiles quand je vais commencer à travailler sur ce projet. C'est autocollant, ça, mais on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, le vendeur avait le DMC et le nombre de sacs qui correspondent au DMC. Donc là, admettons, je prends le DMC, donc 760. On le retrouve ici. Donc, il y a 126 diamants. Donc, 126, c'est un sac, plus un sac, donc j'en ai bien deux. J'ai bien deux sacs. Si on prend une autre couleur, alors attendez, parce que comme j'ai dit, je pense que je vais refermer le sac comme ça. Je n'ai même pas envie de faire l'inventaire, pour être honnête. Ça ne me tente vraiment pas, il y en a bien trop. Je vais leur faire confiance et... ouais, je vais leur faire confiance. Si on regarde une autre couleur, on peut regarder par exemple ça. Donc ça, vous voyez, en plus, c'est bien. Les DMC se voient très bien. Oups, c'est tombé. Les DMC se voient très bien sur les sacs. Là, vous le voyez un peu mal à cause de la lumière. Mais c'est écrit en bleu, c'est du 938 à la caméra. Voilà, peut-être qu'on le voit un peu mieux là. Mais en vrai, ça se voit très bien. 938, ils m'ont donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sacs. J'avais 7186. Un sac, c'est 200. Donc, il m'en fallait au moins 10. On dirait qu'il y a un problème avec celui-là. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était celui-là? Le 938. Et il m'en fallait au moins 20. Ça se pourrait qu'en fait, les ribambelles aient seulement un nombre limité et qu'ils l'ont mis sur une deuxième. Donc, je vous ferai un retour quand je serai prête à travailler sur la toile. J'espère que je ne suis pas trompée sur les calculs, sur le fichier Excel non plus. Là, je vois un vert. Par exemple, celui-là, le 911. J'ai deux sacs. J'avais pas besoin de 911. J'ai pas de 911 là. Aïe, aïe, aïe. J'espère qu'ils m'ont pas envoyé le mauvais paquet. Parce que je sais que ce vendeur est très populaire hein, sur pour leur diamant en fait. 798.
J'ai trois sacs. Ouais, ça va. J'ai 486 diamants à poser. Donc c'est ça, deux sacs plus un. C'est bien ça. Mais il y a une couleur là, ça m'étonne parce que, à moins que, comme j'ai dit, ça se pourrait que moi j'ai fait une erreur en écrivant les DMC hein, aussi. Il y a toujours l'erreur humaine malheureusement. 799, est-ce que c'est celui-là qu'on a regardé tout à l'heure? 799, 482 diamants, donc j'avais besoin de 3 sacs, j'en ai bien 3. Donc voilà le principe pour commander. Ça, je voulais vous expliquer comment ça s'est passé pour la commande de ces diamants. On va regarder la qualité. Alors voilà la qualité de leurs diamants. Il y a un petit trou à l'endos, j'espère que ça ne va pas poser un problème. Mais sinon, il n'y a rien qui dépasse du diamant. Là, les endos sont bien droits dans ce paquet, bien plats. Il y a un diamant, il y a deux diamants qui sont pas bons là. Faut regarder le vert. Ouais, le vert ça va. Il a l'air bien, ça a l'air bien. Mais je vais vous donner mon retour une fois que je commence à travailler sur cette toile. Là, il y a une couleur plus foncée. C'est toujours plus difficile à vous montrer les couleurs foncées à la caméra. Mais là, il y a du 600. Non, ça, c'est du 900. Je vais juste vérifier sur ma feuille. Oui, du 900, 1293. 2, 4, 6, 8, 10, 1000. Ouais, j'ai assez de sacs. J'ai assez de sacs pour celui-là. Il y a un diamant que je vois qui n'est pas bon là, là, sur le côté, juste là. Celui-là. J'ai vraiment hâte. Enfin, j'ai hâte, mais j'ai pas hâte. Parce que la toile est tellement grande que. Mon Dieu, ça va me prendre un temps fou à la faire. Mais je voulais vous montrer la façon dont sont arrivés les diamants. La quantité de diamants qu'il y a. Hein, on voit qu'il y en a une tonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fermer ça. Peut-être que ce week-end, je vais demander à mon mari de m'aider et on va compter, on va vérifier que tout est là. Parce que sur AliExpress, on a 2 semaines après la livraison pour contacter le vendeur si jamais on a des problèmes. Donc, ça se pourrait que je demande à mon mari si samedi il veut bien m'aider. Parce que de temps en temps, ils m'aident là pour des gros projets comme ça là. Avant, quand je commandais beaucoup du AliExpress, quand j'ai commencé le DP, ils m'aidaient. Ils m'aidaient à compter les sachets, être sûr d'avoir tous les DMC. Et il m'a dit, Lorraine, là, une fois de temps en temps, ça ne me dérange pas de t'aider pour des trucs comme ça. Donc peut-être qu'on fera ça ce week-end. Mais on va pas faire ça ce soir, c'est garanti, il y en a bien trop. Ça, c'est quelque chose à faire un samedi ou un dimanche. Et de toute manière, samedi, il va faire très froid. Donc, c'est ça. Le paquet, ça a pris à peu près 3-4 semaines à arriver. Donc, ça allait là. C'était pas très long. C'était pas très long au niveau de ça. Il a pris beaucoup de temps à me répondre, le vendeur, quand je lui ai envoyé la liste. Ça lui a pris 2 ou 3 semaines, je pense, à me répondre. Donc, il faut que vous fassiez des suivis si vous décidez d'aller avec ce vendeur. Mais sinon, je suis très contente. La qualité a l'air très correcte. C'est bien emballé, c'est arrivé bien, c'est bien arrivé. Je ne vois pas de diamants qui sont tombés. Non, il n'y a rien qui est tombé. Donc ça a l'air très bien, mais c'est ça. Je voulais juste vous présenter ça. Et comme je le dis, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais commencer ce projet. Ça va être généré à la roue. Et si jamais un jour ça tombe sur la roue et que vous la choisissez, ben, ça va être mon prochain DP. Mais sur ce, je pense que je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!